Bonjour Nathalie. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire une entrevue avec moi aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui m'intéresse vraiment. On va parler des aliments, des fruits et des légumes bio. Toi, tu travailles à Ottawa Organics and Natural Foods. Peux-tu m'expliquer un peu qu'est-ce que c'est que cette entreprise-là? C'est une entreprise qui a commencé en 2007. Puis Breakup a commencé ça. C'est un service qui offre des produits bio, strictement des produits bio. Donc, tout ce qu'on a, c'est fruits, légumes, aussi des produits laitiers, du pain, du café, du thé. C'est tout certifié biologique. Mais c'est pas une épicerie, c'est un service de livraison. Donc, les gens peuvent commander leurs produits et puis une fois par semaine, selon la région dans laquelle ils vivent, vous leur livrez leurs commandes. Oui. Donc, les gens vont sur l'Internet, sur le site web de Ottawa Organics, puis ils peuvent commander un panier selon leurs besoins. Donc, ça peut être un panier de fruits et légumes, petit, moyen ou grand. Ça peut être un panier juste de légumes ou juste de fruits. Puis ensuite de ça, ils peuvent aussi ajouter des produits, ça peut être du lait ou du fromage, du pain. Ils peuvent ajouter à leur panier qui est leur même à chaque semaine. Ou sinon, ils peuvent simplement commander ce qu'ils veulent exactement. À la carte. À la carte, ouais. Quel est l'avantage de se prévaloir d'un service comme celui qu'offre Ottawa Organics comparativement à se déplacer soi-même et aller à l'épicerie pour aller acheter ses légumes et ses fruits bio? Oui, bien évidemment, c'est que le panier est déposé à la porte chez nous. Donc, puis aussi, c'est que c'est une surprise en quelque sorte, c'est-à-dire que... La majorité des produits qui sont livrés dans le panier sont locaux. Ah oui, le plus gros durant, surtout là, en ce moment, là, ça commence, là, les produits locaux, là, parce que l'hiver, évidemment, il n'y avait pas grand-chose qui poussait dans les coins, mais là, ça commence, là, puis donc le printemps, été, automne, le plus possible, c'est ce qui pousse localement. C'est quoi local? Ben, c'est 5 km d'ici. Dans un rayon de 5 km. Et puis, quand on sort de ce rayon-là, on tombe dans... Ça devient régional. Donc, ce qui vient du Québec...